Salut à tous! Bon, aujourd'hui on va essayer la petite bombe anti-agression originale TW1000. Vous pouvez l'acheter en armurerie. Donc on est sur un petit contenant de 63 ml. Quelque chose de pas hyper grand hein, par rapport à la taille de l'homme à main, c'est plutôt cool. Petite couleur sympa. Et dans l'idée, vous avez juste un petit bouton. Normalement, t'appuies, ça se déclenche. Moi personnellement, je m'en suis jamais servi, même si j'en ai plusieurs. Et au final, je me suis dit, mais combien de temps ça dure, quelle taille ça fait, est-ce que c'est létal, ça oui, hein, on va pas s'en servir sur la gueule hein, pour se rendre compte, mais en gros je vais juste me faire une petite idée, donc voir un peu ce que ça rend. Donc voilà, si t'as quelqu'un qui t'agresse, un mec bourré, des mecs qui cassent les burnes fin de sortie, fin de soirée, donc ben, on va essayer tout de suite et puis on va voir ça. Donc normalement t'appuies, ça se déclenche et on a un petit clip ceinture dans le style. Donc allez, on va voir ça en attaquant les arbres. Wow. Oh la vache! Putain, tu prends ça dans la gueule? Bon, attends, on va essayer. Dans le style. Oh là là! Ça te fait quoi? Ça te fait un bon jet de. Bien 4, presque 5 mètres. Dire, tu prends ça dans la gueule. On va dire, si jamais il y avait un arbre avec quelqu'un à peu près à hauteur, bon bah dans le style, il y a de quoi lui en foutre plein la gueule. Alors donc là, j'ai déjà fait quoi? 4 coups plus un peu plus long. Et je pense que ça doit faire l'équivalent de 6-7 coups, parce que là il est déjà à peu près à la moitié. Je pense qu'on est à peu près à ce niveau-là. Donc plutôt pas mal. Oula, je vais éviter de mettre les doigts dessus, sur le côté. Bon, on va essayer juste pour. Non, t'inquiète, je peux pas tuer. Ah, juste essayer sur le temps, en seconde, juste pour se rendre compte un peu de ce qui resterait, au cas où s'il y a assez pour peut-être gazer plusieurs gars. Et puis. ça sent pas un peu. Ouais, tac, il y en a encore un peu. On va voir. Tu veux filmer, ouais, sur le côté. Là, en appuyant à fond, putain, ça part loin. Ah, ça, oh, il y a une odeur. Et là, cette odeur de lacrymo, quand même. Il y en a plus. Donc voilà, vous pouvez trouver ce genre de bombe. Quelques. Ouh, l'odeur, ma gueule. Oh. A few moments later. Ouais, juste les. Attends, je vais les galer. Non. Oh, les vapeurs déjà, la bonne ça. Gaz de lacrymo, là. Oh, ça agresse déjà. Ouais, je m'en suis pas pris dans la gueule et juste les vapeurs ça m'irrite un peu. Bon, ok. Donc en gros, comme je disais, vous pouvez garder ça avec vous. On a en général à l'arrière une date d'expiration. Bon, là on est en 12-25, donc en général c'est bon à peu près 2 ans, 2-3 ans suivant la taille, le contenant. Mais voilà, donc Pepper Jet. Comme vous l'avez vu, ça va loin. On est sur quelque chose de contenant métal et plastique. Plutôt bien, ça taille bien. Je pense qu'il y a moyen de gazer, d'arroser bien une bestiole, un loup, je sais pas quoi, dans le style, peut-être un chien. Mais en tout cas, il y a moyen d'arroser plusieurs personnes. Ah putain, on se reprend le. Ouais, il y a une petite odeur qui reste. On se l'est pas pris dans la gueule, mais comme vous avez vu, ça a fait de sacré jet. Bon, bah voilà, en tout cas, vous pouvez trouver ça en armurerie, vente libre, pas besoin d'être licencié tireur, vous pouvez en acheter à peu près partout, même peut-être dans certaines archeries. Je sais pas s'ils en vendent, mais. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, j'en ai déjà vu dans certaines armureries, un peu sur Grenoble. Il est plein d'endroits ailleurs. Donc voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas à avoir ça avec vous. Peut-être pas sac de rando, sac d'évacuation, pourquoi pas. Dans la voiture, moi j'en ai une si jamais. Et puis bon, bah voilà, à une prochaine !